Voici les reportages qui vont vous être présentés dans cette nouvelle émission. L'élection du conseil municipal d'enfants qui a eu lieu le 2 décembre. La visite de Saint-Nicolas au groupe scolaire Pierre-Miquel le 9 décembre. Le défilé de Saint-Nicolas le 11 décembre dans les rues de Marbache. Le goûter qui a suivi et le superbe feu d'artifice. Le spectacle de fin d'année donné par les enfants le 14 décembre, organisé par le service Animation Jeunesse. Le conseil municipal d'enfants s'est réuni vendredi 9 décembre pour élire son maire, ses adjoints et ses conseillers en présence de l'animateur Fred, de la conseillère déléguée à l'éducation, de monsieur le maire et de ses adjoints. Avant que je vous explique comment va se dérouler l'élection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lire le programme de chaque candidat. Normalement, vous avez quasiment tous rédigé un petit programme. Donc vous allez venir devant et puis le lire à vos copains, à vos copines, et ils pourront poser des questions ensuite et vous pourrez répondre. Le conseil municipal d'enfants est un conseil composé d'élèves de CM1 et CM2 élus par leurs camarades de classe dans l'école élémentaire. Élus ou volontaires, les jeunes conseillers travaillent ensemble autour de thématiques ou de projets dans le but d'améliorer la vie dans leur village, comme par exemple la culture, le sport, l'environnement ou la sécurité. Vous allez venir ici, il y a les noms des 10 candidats sur des petits bulletins. Vous allez en prendre un chaque, vous allez prendre une enveloppe, vous allez vous mettre dans l'isoloir. Tout seul, évidemment, c'est pour ça que ça s'appelle un isoloir. Vous allez mettre un seul bulletin dans l'enveloppe. Si vous les pliez, vous pliez en deux, pas plus. Hein. Non. On va passer 4 heures. Hein. Et les autres, vous les mettez dans la poubelle qui est dans l'isoloir. Vous refermez l'enveloppe, vous venez ici, vous la mettez dans l'urne, vous signez et vous retournez vous asseoir, d'accord? Et tout à l'heure, on passera au dépouillement. Oui? Un animateur est chargé de suivre le parcours de ses jeunes conseillers. Il les aide à être force de proposition et à développer les projets. Oui. Une enveloppe de l'homme. Il y a pas, donc tu mets l'enveloppe là, puis après tu signes. Ouais, d'accord. Vas-y, vous pouvez venir. Vas-y, c'est ça. Vous retournez. Prends tout le paquet. Pas tous les autres. Prends une enveloppe. Je l'ai mis. Alors, on va attendre que les deux derniers finissent de voter et on va passer au dépouillement. Pour le dépouillement, je vais avoir besoin de scrutateurs, donc de personnes qui vont se... Ah oui, bien sûr. Qui vont s'en occuper, qui vont s'occuper de différents tâches. Je vais laisser vos professeurs choisir une personne pour ouvrir les enveloppes. Jean-Michel, c'est là, Rose, va ouvrir les enveloppes. Oui, qui n'est pas candidat, bien évidemment. Candidat, ouais, donc quelqu'un qui parle fort. Et deux personnes pour décompter les voix. Donc là, tu es là, tu vérifies qu'il y a bien 42 enveloppes, donc vous étiez 42. Albert Johan.
par ici. Merci. Donc, on a fait les comptes de voix avec Paul et Fatma. Donc, je peux déjà vous donner les résultats. Donc, on a en premier Johan Albert avec 12 voix. Ensuite, Marine Perrillon avec 10 voix. Ensuite, Maëlle Lalante avec 6 voix. Louis Dupette avec 4 voix. Ensuite, ex-écho Timéo Pinoli et Gabriel Beaumont avec 3 voix. Et enfin, Lise Bava, Michel Aloïs, Sommeil Alix et Polly André avec 1 voix. Donc, Pierrette a vérifié tout est juste. Donc écoutez bien, alors cette année c'est un peu particulier parce que comme je vous l'ai dit quand je suis passé dans les classes, il y a 10 places pour le conseil municipal de l'enfant et il y avait 10 candidats. Donc à partir du moment où vous aviez une voix, vous étiez élu, bah, du coup tout le monde est élu. Au conseil municipal, les 10 personnes sont élues. Donc vous pouvez vous applaudir. Alors, tout à l'heure, c'était loin. Vous allez élire le maire et puis deux adjoints. Et puis bah, il faudra après que vous travailliez avec le maire, avec les adjoints, enfin, tous ensemble. Et puis le faire remonter. N'hésitez pas. Après, toutes les choses qui vous tiennent à cœur, les choses que vous verriez dans Marvache, ou à l'école, ou dans les rues, que nous, on ne voit pas forcément. Votre rôle à vous, c'est un rôle important. C'est d'être à votre niveau, les rapporteurs de ce qui se passe, de ce que vous ressentez dans la commune, et puis de ce que vous aimeriez en faire. Donc c'est un rôle important, et j'aurai besoin de vous à chaque manifestation officielle, notamment les cérémonies des armistices au Monument aux Morts, mais aussi à d'autres moments, par exemple au vœu du maire, au début de l'année, et puis à chaque fois que l'occasion se présentera, je compterai sur vous. Le maire, les adjoints, mais aussi bien sûr les conseillers municipaux. Alors, on va procéder à l'élection. Alors déjà, parmi vous, lesquels veulent se présenter? Uniquement le premier tour, ce sera pour la maire, d'accord? Donc tout le monde sauf Timéo et Alice. Enfin, vous votez aussi, hein, mais tous les candidats, sauf pour quelqu'un. Sauf nous. Alors, bah, c'est parti, vous pouvez venir prendre... Allez, tu peux te mettre à l'eau. Je suis pas là. Non, pas là. C'est Alexis, oui, tu sais. Super. Est-ce qu'on fait bien? Vous faites un bâton au-dessus des petits points devant le nom qui est lui, d'accord? Alors, vous avez dit Timéo, vous êtes prêts? Alors, vous écoutez? Johan Albert. Johan Albert. Perrillon Marine. Louane Pet. Bara Lise. Gabriel Beaumont. Alix Sommeil. Alors maintenant, vous comptez le petit bâton et vous écrivez le total dans la caisse qui est à côté. Proclamez les résultats. Donc alors, en fonction des résultats, puisque Johan Albert a eu 3 voix, je le proclame maire du conseil municipal d'enfants. Et puis sur le premier tour, il n'y a que votre adjoint. Donc tout le monde...
Elle souffle le maire. Donc on va refaire un tour. Pour le scrutin, parce que pour le prendre à la place. Voilà, c'est possible, je vais. Alors, André. André. Gabriel. Louane. Lise. Marine. Alix. 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 Donc, est élu premier adjoint Alix. Bien. Et André, qui sera deuxième adjoint. Alors là, elles sont identiques. Normalement, enfin, on vous en refera parce que le maire a des pompons jaunes, un d'or, un or. Et l'adjoint, les adjoints des pompons en argent. Donc on va vous en faire. Mais pour l'instant, elles sont identiques. Mais il ne faudra pas oublier. Donc Henri, tu vas remettre la caméra du conseil municipal d'enfants. C'est bon. Et on va aussi. On a un pic qui est réalisé sur la. Donc, quand vous la mettez, je pense sur le bleu, le bleu près du col. Il va sur le cœur. Le bleu sur le cœur. Salut. Monsieur le maire, messieurs les maires, super, vous êtes. Un petit peu avant de descendre. Moi, je vous attends à la sortie pour vous donner des coups. C'est bien. Ah, il y a pas de temps, c'est ça. Vous êtes plus gentil. Oui. C'est vous des dessins, peut-être. Ah, vous avez des dessins. Personne alors. Oh, j'ai déjà aimé. Chut. Bazar. Non, ils sont très sages. Ils sont sages. J'espère bien. Ils essayent. Ils étaient sages. Plus ou moins. Avec plus ou moins de réussite, on va dire. Mais ils sont en train de préparer des dessins pour vous deux. Hein. C'est pour. C'est aussi pour le père Fouettard, les dessins, non, vous avez fait. Bah, aucun dessin pour moi. Mais si, la photo, regarde. Vous avez oublié, regarde. Oh, il y en a des dessins. Vous y allez ensemble. J'ai cru que vous m'aviez oublié. On va bien s'installer si vous voulez. Allez, on fait. C'est la chute de poule. C'est Saint-Nicolas qui veut. Et là, c'est Maël S. Et maintenant, si tu veux, on va les chants, ça me regarde. Et maintenant, il est très gentil. Nala. Nala. Assez de dessin, alors, ah,
Christmas and Happy New Year. C'était pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Merci. Merci. Vous êtes tous gentils? Oui. Pourquoi il n'y a pas Père Fouettard? Eh ben, le Père Fouettard, il va venir. Oui. Vous avez mieux le Père Fouettard que le Saint-Nicolas? Non. On préfère mieux le Saint-Nicolas. Vous aimez mieux le Saint-Nicolas? Oui. Attendez deux minutes, je ne sais pas que le Père Fouettard va arriver. Il est bizarre dans sa tenue, lui. Il est bizarre. C'est des petits mots? Oh! Ah, pour mais le c'est Père Fouettard! C'est un élève qui l'a préparé, c'est et oui, le Père Fouettard, il a mis le porteur parce qu'il y a des. Alors, on dit pas bonjour? Si, vous avez dit, vous-même! Oui, on est à peu près. Pas que Saint-Nicolas, hein! C'est les plus grands là. C'est les CM2. Les plus forts. Les plus grands.
les plus intelligents. C'est la dernière. Vous êtes en sixième. Vous connaissez l'année prochaine. On a une sixième. C'est quoi Noé? Tu fais des frites? Bonjour. Faut pas les mettre dans la bouche. Bonjour. Ah bon? Bonjour, ça fait un bisou. Ah, fais-moi un bisou. Oh, fais-moi un bisou. Non. Ah, tu connais pas. Je vais pas faire un bisou. Alors, qui c'est qui les prend pour les vacances? Tu crois? Vous êtes drôlement sage. On n'entend pas de bruit, il n'y a pas de chahut. C'est bien. Celle-là, elle est méchante. Elle est méchante, celle-là. Je lui donne un coup de martinet. Hein. Thank you.
bien, bah, merci. Ouais. C'est très gentil. Ouais. C'est très gentil. Je vais les garder chez moi, à côté de mon martinet. Et voilà, tu vas donner au Nicolas. Elle n'est pas aussi sage que son frère. Des fois, elle fait des crises. Hein. Ah. Et Raphaël. Ça c'est pour la première. Mais on va pas lui donner le livre parce que attends. Voilà. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui. J'espère que vous êtes sages. Oui. Ben, je viens cette année, comme l'année dernière, vous faire un petit coucou. Et on va se promener dans les rues de Marbache, dans lesquelles j'attends mon char. Puis après, on ira au château pour boire le vin chaud. Et le chocolat. Ensuite, je partirai et puis vous aurez un beau feu d'artifice. Voilà le programme de ce soir. Alix et André et ses adjoints, on va te remettre les clés de la ville. Tu te vois pas le Saint-Nicolas, toi. Bonjour Saint-Nicolas, vous êtes bien le bienvenu à Marbache. Par pétard. Bonjour aux deux, car c'est pas souvent qu'on voit Saint-Nicolas parce qu'il est sous les ans, mais c'est qu'une fois par an, donc on... Oui, c'est les clés de la ville. Ah oui, hein. Moi aussi, je veux le voir à Saint-Nicolas. Bonjour. Madame Jo. Voilà. Jusqu'à votre niveau.
Oh,
Toujours un verre à la main, même pas deux. Ah, il y a un chocolat. Macho. C'est pas du bon côté, le macho. Voilà les enfants, merci d'avoir accompagné Saint-Nicolas jusqu'ici. Il va vous dire un petit au revoir. Et puis juste après, vous aurez le feu d'artifice. Voilà, je laisse la parole à Saint-Nicolas. Bonsoir les enfants, j'étais très content d'être avec vous ce soir. Je m'en vais maintenant dans d'autres villages, voir d'autres petits garçons. Et je vous attends l'année prochaine. Au revoir. Ça craint quand même. Ah ouais.
pourra toujours, au doux mon amour, mentir son nez avec les yeux. Elle qui aime tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean.
Et là, j'ai rencontré trois judokas qui s'entraînaient très très dur. Oh, oh, oh. Je serais bien resté, mais il fallait que je visite un pays qui m'a toujours fait rêver. L'Amérique. Oh, oh, oh. We'll be right back.
Alors voilà, comme toutes les histoires de Noël, celle-ci se termine bien. Bonjour à tous, donc on voulait également remercier Patricia pour la mise en scène. À tous les parents d'être venus, merci aux enfants qui ont réalisé aussi les décors. Et la mairie, le service technique, Fabrice qui nous a également aidés. Merci à tous. Et en attendant, les enfants vont aller se changer. En attendant, le Père Noël va faire une distribution de bonbons. Et on vous invite au goûter. C'est bien, bravo.